When I would do good, evil is always present with me. Oh, wretched man that I am, who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. 3000, soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Toute l'actualité de l'Église. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée, non restant, qui vous présente 3000, toute l'actualité de l'Église. Au sommaire de ce numéro, comme à l'accoutumée, vous aurez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité de l'Église à travers le monde, qui sera suivie du message de la parole de Dieu. Restez bon Jésus, nos ondes. Et nous commençons avec cette note de Supamiki, Je veux du love, une jolie chanson pour saluer tous les amis qui écoutent présentement Radio Respiration, la musique. Voilà, la prière est que t'aspires à la lecture de la parole et la prière. Cherche et tu vas le trouver, car il se laisse trouver à celui qui le cherche. Je veux du love. L'ordonnance de vie qu'on doit toujours lire. Comme vérité à méditer, faut le dire. Efficacité assurée dans l'amour. Ce sentiment qui vient directement du Père, enseigné par son Fils aux hommes sur la terre. Dieu nous demande. On aura l'amour en plus, on s'aimera l'amour en plus, on aimera plus, on sera semblable au Fils. Ne soyons pas distants dans la tristesse, marchons dans la foi, marchons en Christ, en tout temps, en tout lieu. Si t'es d'accord avec moi, moi écris. Je veux du love, je veux du love, je veux du love. Aux hommes sisters, on veut du love, on veut du love, on veut du love, on veut du love. Sans limite, sans limite. Pense à cette femme qui a touché la robe de Jésus. Médite sur ça. Pense à cette femme. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez supporter Radio Respiration, vous qui écoutez présentement, avec ce que vous avez, ce que Dieu met dans votre cœur. Vous pouvez et supporter Radio Respiration. Nous sommes sur le www.respirationfm.com, www.respirationfm.com, d'une façon immédiate, www.respirationplus.com. Et c'est très important, si vous voulez nous donner un don, eh bien, vous n'avez qu'à taper le www.respirationfm.com, www.respirationfm.com. Une autre note sur nos ondes. Vous suivez 3000, toute l'actualité de l'Église. Et dès notre retour, l'actualité de l'Église à travers le monde. Gardez l'antenne. Non, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, a dit le Seigneur.
mais c'est un esprit de force, sagesse, amour qui doit te donner envie de chanter, envie de chanter, envie de chanter. Non, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, a dit le Seigneur, mais c'est un esprit de force, sagesse, amour qui doit te donner envie de chanter, envie de chanter, envie de chanter. Non, non, non. Et d'ailleurs, on va l'entendre au travers de vos voix ce soir, bien fort, yeah. Ok. Alors, on y va. Non, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai, a dit le Seigneur, mais c'est un esprit de force, sagesse, amour qui doit te donner envie de chanter. Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit qui vous invite à glorifier le nom du Seigneur. Dans un instant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité de l'Église à travers le monde, gardez l'antenne. 3000, soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. 3000, toute l'actualité de l'Église. C'est Jésus qui vit en moi. Vous êtes branchés sur Radio Respiration et vous suivez 3000, toute l'actualité de l'Église sur nos ondes. Selon une enquête de Life Away Research, 7 pasteurs 6 sur 10 estiment que la liberté religieuse est en déclin en Amérique. Les pasteurs s'annonçant comme évangéliques sont plus nombreux, 81%, que les autres pasteurs, 47%. Dans la population générale, 54% des Américains constatent aussi une baisse de la liberté religieuse. La moitié sont d'accord avec l'affirmation. Les chrétiens sont plus confrontés avec l'intolérance dans l'Amérique d'aujourd'hui. Par ailleurs, 60% des pasteurs pensent que les chrétiens sont en train de perdre la bataille culturelle. En effet, en comparaison avec les années 60, où 2/3 des Américains étaient protestants, ceux-ci représentent aujourd'hui à peine la moitié de la population. Pour cette enquête, plus de 1000 Américains et plus de 1000 pasteurs ont été interrogés en septembre dernier.
Nous sommes maintenant en Égypte. 8 chrétiens égyptiens âgés de 10 à 25 ans ont été kidnappés durant la première semaine de février par des musulmans extrémistes, d'après l'ONG International Christian Concern. Une demande de rançon a été demandée pour chaque cas. Les enlèvements de chrétiens sont en hausse en Égypte. En 2013, déjà 69 affaires similaires avaient été recensées et dans 61 des situations, des rançons allant de 7 000 à 500 000 dollars ont été payées, l'équivalent de 50 000 à 3 500 000 de livres égyptiennes. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, gardez l'antenne. 3000, soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. 3000, toute l'actualité de l'Église. C'est Jésus qui vit en moi. Vous suivez 3000, toute l'actualité de l'Église. Nous terminons l'actualité de l'Église avec une note en provenance de Pakistan. Cela ferait 3 ans en mars que Shahbaz Bhatti a été assassiné pour avoir défendu la cause de la minorité chrétienne au Pakistan. Son frère aîné Paul Bhatti, dont le projet est de reprendre la résidence de l'Alliance pour la minorité All Pakistan Minority Alliance, a retardé son retour en raison de menaces qui pèsent sur lui. En effet, suite au procès des meurtriers de son frère, Paul Bhatti et d'autres membres de sa famille ont reçu des menaces de mort. Vous suivez 3000, toute l'actualité de l'Église. Dans un instant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien, vous allez écouter la parole de Dieu sur les ondes de la radio Respiration FM. Mais avant que vous écoutiez la parole de Dieu, j'aimerais bien vous offrir une jolie chanson de Dwisitsi qui chante Marche avec lui. Une note pour saluer tous les partenaires de la radio Respiration. Le pasteur Josué Mathieu et la première église baptiste de Port-au-Prince, le pasteur Franck Alfréide et l'église évangélique baptiste de Homestead, le pasteur Miller Montreuil de l'église méthodiste qui se trouve à Leger City, le pasteur Gameson Charlot de l'église évangélique des disciples au Cap-Haïtien. La musique. Il a changé ma vie. Son nom c'est Jésus. Yeah. Trixé. Il faut que tu marches avec lui. Il faut que tu marches avec lui. Marche avec lui. Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui. Marche avec lui, il faut que tu marches avec lui. Marche avec lui, Jesus, avance avec lui. Accepte dans ton cœur celui qui donne la vie. Marche avec lui, marche avec lui. Il faut que je te dise bah, qu'il a changé ma vie. Je te donne mon avis, il faut que tu marches avec lui. Ressuscité des morts, il a donné sa vie. Avant de donner sa vie, il t'a pas demandé ton avis. Celui qui veut me suivre s'abandonne lui-même. Qui porte sa croix et puis qui me reste fidèle. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de tout ton être et de toutes tes forces. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis le Dieu qui sera toujours glorifié. Tu me fais du bien, à moi ton serviteur. Seigneur, laisse-moi t'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Apprends-moi tes prescriptions. Apprends-moi à être pour les autres une source de bénédiction. Apprends-moi à être un leader qui pourra conduire beaucoup à être des winners. Ok. Il faut que tu marches avec lui. Marche avec lui.
Jesus avance avec lui.